croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Mega Drive plus Sonic, Sega, c'est plus fort que toi. Alors, Marge, qu'est-ce que tu penses de l'économie? Je me demande quand même, à quel moment, chez Team 17, ils se sont dit « Allez les gars, on fait un jeu avec des vers de terre qui ont des bazookas et des M16 ». D'ailleurs, il a une M16 sur la jaquette alors que dans le jeu, t'as juste le Uzi, mais bon... Je me demande juste à quel moment ils se sont dit « On va faire un jeu avec des vers de terre qui font la guerre ». Alors, il paraît, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'à la base, Worms, ça devait être un spin-off des Lemmings, qui s'avère être mon tout premier jeu, soit les temps passant, sur Amiga. Donc, les Lemmings, ces petites créatures bleues aux cheveux verts qui se suicident tout le temps, excellent jeu, hein, excellent jeu. Qui n'existe plus trop maintenant. Voilà. Tout ça pour dire une petite partie de Worms Crumbie. Ouais. Tu m'as tapé à côté de rien de ce que j'ai dit, c'est ça? J'essaie de lire les ingrédients des Cheetos. Oh, attends. Cette musique. C'est marrant parce que j'ai un souvenir très précis de moi qui tient la boîte du jeu dans les mains, impatient de rentrer à la maison pour l'essayer. Je sais pas pourquoi je voulais ce jeu. À l'époque, t'avais pas internet, t'avais rien du tout. Peut-être que je l'ai vu dans un magazine, je sais pas. J'ai dû voir la jaquette du jeu et me dire « Ah bah ouais, il me faut ça ». Je savais pas ce que ça voulait dire Worms à l'époque, forcément. Puis c'était le premier, alors c'était pas connu. Et j'y ai joué des heures et des heures, hein. J'avais pas d'amis, je jouais contre des bots. Et j'adorais. Et donc c'était sur Super Nintendo, cette version très précisément. Donc il y a déjà des teams de créer, mais bien sûr on peut faire les nôtres. On va faire les nôtres. Babes, Bridget, Meg, ça... Alors est-ce que c'est les girlfriends des développeurs? Est-ce que c'est des... Je pense que... Ou des... Ou peut-être... Non, regarde. Peut-être Meg Ryan, peut-être Pamela Anderson. Bridget, là je sais pas. Bridget Jones. Ouais, je pense pas. Samuel L. Jackson. je sais pas. Alors dans les années 90-96, qui était populaire, ça peut être aussi juste les. Bridget Fonda, bien sûr. Epps, Francis, Epps. Gavin, Neil et Kevin. Là j'en ai aucune idée de quoi le délire du coin. CPU. Alors CPU, ok, marrant. Ok, c'est juste des Borg. C'est juste des Borg, ouais. Friends, ok, Pearl, là, Alice Pearl Jam, Cooper. Oui, Alice Cooper, Pearl Jam, Rage Against the Machine. Et Sound. Là, je sais pas. Sound. Wayne. Non, pas Wax. Oh, fuck. Attends, comme ça. Ok. Wax. Wax. Wayne. Bon bah, si y a Wayne, y a Garth, hein. Exact. Qui j'ai d'autre dans cette chambre? T'as Austin. Oh t'as ouais. Pee-wee. Ah, mais attends, combien il va y avoir de versions de Mike Myers différentes? Oh mais <God. rire> Oh mais tu pourrais juste faire des rôles de Mike Myers. Wayne, Marty. Alors je fais pas le gourou, hein. Non, Marty, non déjà. non, je vais faire Snake, par contre. Oh, puis bah, du coup, ouais, t'avais Snake aussi. Ouais, je vais faire Snake. T'avais Pikachu. Ouais. T'avais Pee-wee. Ok, on a 1989 avec Wayne et Garth, Marty et Snake. Hein, c'est vraiment une équipe très bizarre. J'ai envie de voir ce film maintenant. T'imagines. tu te rends compte qu'avec des discussions qu'ils ont dû avoir pour finir où Snake n'est pas le capitaine, mais Wayne l'est. Genre, tu fais une équipe avec Snake, Plissken. Et c'est quand même Wayne Campbell qui finit capitaine. Oh, j'aurais dû chercher Garth au capitaine pour la peine. Ah, donc toi, tu fais les docs. Moi, je fais les doctors.
Les Doctors, ok. Docteur, 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 brun, tout, 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 tout. N'empêche, cette musique est toujours là, quoi. La 96, le jeu, dans le dernier Worms, c'est Worms Rumble. T'as, bon, alors, ça ressemble. T'as un bout de la musique dans le thème principal, quoi. C'est. Oui, tout à fait. C'est, je crois, c'est un petit détail, quoi. C'est marrant, c'est les anecdotes. On est là pour les anecdotes. On est là pour les anecdotes. Fou, alors évidemment, voilà, non, il faut des bons yeux. Moi, je ne vois pas. Hein. Il faut Round des bons one, yeux. Hein. C'est Diaki. Ouf, putain, ah oui. Ah bah c'est... alors fais gaffe de pas lancer un coup de bazooka en voulant sauter. Hein. Je ne connais plus les touches. Hein. J'ai pas joué depuis, depuis 20 ans. Je voulais ouvrir le menu, je l'annonce. Allez, passe-moi les manettes. Oui. Attends, on va monter le son un petit peu. Vas-y, attends, je vais monter le son, prends la manette. Vas-y. Quelle touche pour pouvoir rond, cercle. Rond. Non. Peut-être. C'était toi. J'ai tué qui? Snake. Évidemment que Wayne a tué Snake et Garth dès le début. Pourquoi c'est le capitaine? Manette, manette, manette. Ah, ah, ah. Merde, je vais jamais avoir chance. En plus, on sait toujours pas comment changer d'arme. Tant pis, le sacrifice ultime. J'ai mangé. T'as vraiment la pire équipe. Lâche la manette. Si je fais ça. On voit vraiment que dalle quand même. Hein. Même je vais m'approcher. Toi, je vais me mettre au bord du lit. C'était assez. Ouh, cluster. Ah, mais c'était fort à l'époque la cluster. Oh la vache. Voilà, bon, c'est vrai que là, on. C'était révolutionnaire à l'époque, maintenant ça ressemble plus à rien. Ah mais... ben c'est pas Armageddon quoi, mais. Airstrike. Alors ça manque aussi de terriblement de son. Ouais, des musiques et trucs comme ça, je suis d'accord. Boom, Dr. Doom! Ouais, d'accord, j'ai compris. C'était vraiment, t'avais les bases quoi, les bases étaient là. Ah, il y avait Eggman qui était caché. Eggman, il est caché! Mange ça, connard! Il y avait pas un détien là? Ah, ouais, t'as mais sacrifié, il y avait t'as sacrifié Avon. Garth, il est un ex-form, non! Et là, tout le monde a mort. Ah, sûrement. Non, ton pain bague! Wayne is the next worm. Et même les explosions de tombes là, elles font super mal quoi. Non, c'est, si t'es à côté, tu te prends, mec, un petit peu. J'ai l'impression que j'ai tué tout le monde. Bah, je crois qu'il reste. Attends, t'as tué tout le monde? Non, il reste Marty. Mais le truc, c'est que je vais laisser une cluster bombe, hein. Mais est-ce qu'on y croit? Ah oui, c'est marrant l'animation. Oh! Mais tu connais? Ce génie! Ce génie, les cluster bombes! Mais ce génie! Il a encore 2 points de vie, hein. Sérieux? Je gagne. lâche la manette, là. Lâche, donne! Alors, le problème, c'est que je ne sais pas où tu es. Oui, et comment on bouge la caméra? Il doit y avoir un moyen, test des touches. Je pense touches, pas qu'on est plus. Nice. Oh, je pense que c'est quand même. Alors, le jeu est basique, mais t'es pas à ce point. Voilà. Et moi, ça, j'ai joué des centaines d'heures. Hein. Tout seul, hein. T'as compte des bottes, hein. Ouais. Attention. Oh, c'est. Ah, bah non, t'es pas le génie de lâche la manette. Non, mais. Tiens, la manette. Ok, Marty. Ok, est-ce qu'on reste sur le dieu de la cluster bomb? Est-ce qu'on peut bouger la caméra? T'as un docteur là à droite, si tu veux être le dieu de la cluster bomb. Bon bah du coup je sais pas, alors... Non. Mais au moins j'ai ouvert un passage. En fait la cluster avant c'était plus ou moins la banane. Hein. Je prends la manette. En moins fort mais c'était la banane. Ah la cluster bomb oui c'était de la tuerie, oui effectivement. C'est vrai que ouais après ça a été un peu nul. Ah donc j'ai fait oublier. Toujours la banane. Oh là là. Ah, le nombre de tombes, là, c'est un cimetière.
Ok. Non, mais en fait, là, je fais juste une piscine pour te jeter dedans. Sans le son, en fait, c'est vraiment d'une tristitude. Ouais, c'est... Y a aucun son d'ambiance, y'a rien, puis bah, le jeu est comme ça, quoi. C'est pas. Y'a pas de. Bon, là, tu sais qu'à côté de l'arbre, y'a Docteur Doom, donc go grenade, hein, full grenade. De toute façon, y a qu'un seul move dans ce jeu, c'est non grave. Trompée de touche. Oh là là. Ok. J'ai le move. Ça s'appelle Cluster Grenade, je sais pas si tu connais. RIP, ouais, les cartes. Je sais pas si tu connais la Cluster Grenade. Mais non, mais pourquoi? Bah, c'est mal. Non, parce que le vent, il va pas de ce côté-là en plus. Bah, non. C'est quoi cette triste de l'enfer? Le vent, il va pas de ce côté-là. Lâche la manette. Merci. Ok. Ok. C'est embêtant. Non, c'est bon. Mais sois bien dans le trou, est-ce là où qu'on peut, on se peut faire le. Non, on non pas j'essaie en tout à l'heure, on a même pas le. Ah, c'était tout. Vraiment les bases de la base. Oh, de la full base. Blowtorch, full Blowtorch, sois intelligent. Fais-toi un tunnel sous la manche. C'est pas con. C'est pas con ce que tu dis. Bon, tu dis ça pour pouvoir mettre une dynamite, mais. Deuxième page. Mais moi j'aime le. Ah, on pouvait pas le diriger. Oh, une caisse. Je crois que dans le premier t'avais deux tirs de shotgun. Encore, je suis pas sûr, ça y est, c'est fier. Je crois que t'avais deux tirs de shotgun. Bon, sinon, de toute façon, je crois que dans le jeu c'est la cluster bombe ou rien. Hein. Donc, trop me faire pourrir, mais. Oh, bordel de perte. Au moins, je t'ai touché. Non, ah, trop bien. Pris dans la gueule. Oh, ah, c'est bon, tu vas bien. C'est à qui de jouer? Eggman, fuck, il est pas loin. Ah, puis il a coupé de la caisse. Dynamite. Vite. Mais pourquoi il fait une tille? Non. mais go Fire Punch. Bah, je pensais. J'espère qu'il était bien le Fire Punch dans cette version. Est-ce qu'il faisait Fire Punch qu'il en est... Alors ça a l'air d'être le même qu'avant. Est-ce qu'il fait les mêmes dégâts? Ouais. Même dégâts. Le Fire Punch n'a pas changé en 4 générations de Worms. Toi tu tentes. Bah et toi t'as plein de Worms. Tu peux te permettre de tenter la dynamite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Crambi, non. Ça fait quoi dynamite case? Il faut listen next form. Marty aussi, je pense. Non! Il est vivant! Bon, bah en gros, je suis mort, quoi. Hein? Alors, au moins. Non, ça va. Je pars ça en beauté. Va. Moi, je vais pas te suicider non plus, hein. Mais... Moi, je dis dynamite sur Eggman et tu retournes dans le tunnel que. Oui. Que Ivo. En fait, t'as peut-être une chose de gagner à cause de ces conneries-là. Hein. Cours, Marty, cours! Utilise ton overboard! Et on ne revit plus jamais Eggman. Mais. Ah, c'est la même. Et... Ça, la même. Oh tuée. Il va super bien. Méga forme. Tiens. La méga forme. Je n'y crois guère. Il a la méga me fort. Oh non. Et mais Marty n'empêche, il survit. Hein. Il survit. Tiens, alors là, je pense que t'as un Eggman complètement gratuit. Passe-moi la manette. 4, 3, 2. Oh, oh, headshot. Oh la vache. Yes. Doom time. Marty, non. Pourquoi? Et Marty n'a jamais trouvé la personne qui a tué ton père. Marty est un ex-worm. Non, 1989, Dr. Winzone. Oh. Je t'ai soigné. Marty, t'étais si jeune.
Mais laissez tomber, plus rien, Marty. Bon, Worms, c'était pas ouf. Moi, je propose on joue à Hogs of War. Les cochons de guerre en français. Les cochons de guerre en VO. Un jeu de infogramme Cocorico. Un jeu d'infogramme. Attends. La version française et la VO. Non, c'est un jeu anglais, je crois. Je crois que c'est un jeu anglais. Oui, en fait, c'est un studio anglais qui l'a fait, mais à la base, la grosse compagnie, c'est Infogrames. Ouais, voilà. Non, mais en fait, parce que la version française est un peu particulière parce que c'est des voix. Enfin, c'est non, c'est, une, c'est voilà. C'est, je crois que c'est juste une personne des Guignols de l'info. C'est le. Attends. Le principal. J'ai oublié son nom, mais c'est le coq, quelque chose comme ça, la poule. La basse-cour. Je crois que c'est le coq. C'est le coq, mais je sais plus son prénom, par contre. Bref, c'est lui. Ouais. Donc c'est lui qui fait les voix du jeu. Donc en fait, c'est un clone de... Un clone... Enfin, un clone. C'est clairement Worms en 3D avec des cochons. C'est Worms en 3D avec des cochons, exactement. Ça fait des millions d'années que je n'y ai pas joué. Pareil. Jamais vu un ramassis de tarés pareil. Et c'est avec ça que je vais être obligé de faire quoi? La guerre. Je connais sa voix. On est foutus! Ça te fait rire, couille de l'eau? Ah bon, sinon je peux t'imiter Bourville. Diapo! C'est la Puritanie! Un tas sans intérêt perdu au milieu la de rien. La Puritanie. Alors, pourquoi on y va? Parce qu'elle regorge de truffes. Vos coins du dorsin! La truffe, c'est la force du porc. Qui contrôle la truffe, contrôle le monde. Ça veut dire quoi? C'est débile! C'est pas débile! C'est la guerre! Un soldat, c'est fait pour faire la guerre! Pour avoir des truffes! Pour avoir la plus grosse! Pour être... Mais on s'égare! Voilà, nous allons regarder ensemble des petits films très bien fichus pour mieux comprendre les enjeux de cette guerre. Born to grill. Born to grill. Alors, nous avons les équipes. Les équipes. Léonid, Vladimir, Fedor, Sacha Spartak. Et Nikolai, ça c'est les Russes. Ah, c'est les Russes, les Spartak, ok. Ah oui, j'ai oublié. Banzai. Non. Sushi. Non. Non. Il faut les jouer. Il faut les jouer. Ah non, les voix, mec, les voix, ça va être. Ok, je les joue. Porcorps. Oh la vache, Schultz, Emmerich. Ok, il faut les Allemands aussi, je suis désolé. Otto, Thomas, Sigi. Ensuite. Ah, les Français, les parfums. Alain, Ahmed, Franck et Momo. Oh la vache. Je crois que je vais jouer les Allemands. Ah, les Allemands contre les Japonais. Les Allemands contre les Japonais. Ça va être raciste, mais oui, voilà, ça va être ça drôle, tu vois. C'est... Alors, on regarde bien la map. C'est toi en premier. J'ai fini une autre bière. Tu regardes bien. Je suis né à toute bière. Alors, je sais plus comment ça joue, je te préviens. Ok, c'est B, c'est rond, excuse-moi, pour changer le menu des armes. Ok. Ensuite, c'est R1 et L1 perché. Pour... Jetpack. R1 et L1 pour monter et descendre la hauteur. Tu vois, tu vises à une hauteur. Ah sinon, oui. Tu peux aussi appuyer sur L. Voilà, là tu vises tout en haut. Ouais, regarde. Toi, tête de piaf. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois pas que t'en veilles assez loin là. mais ça me stresse pas qu'ils mettent des qu'est-ce chronos à chaque fois. Tête de piaf. Je vais pas le faire moi-même. Quel champion. T'es pour un truc cochon. Oh merde. Je pensais que j'ai dit ça va être drôle mais raciste. Non, ça va être juste raciste. Oh non. Je veux pas dire. Non. Oh mais Michel Leb à la prod quoi. C'est la fin de Otto. Bon, la culotte ou la vie. Quoi? Ça veut rien dire. Attends, ça arrive. Ça veut rien J'y dire. J'y crois tout. Pas. Les jaunes savent se battre. La guerre, ça commence par un formulaire. Ouais, attends, alors je comprends pas vraiment les blagues, j'avoue. C'est juste... Mais regarde, les mines
Et regarde la Germine, quoi. Il y avait quoi mais regarde, tu vois pas la carte. Ah oui, les gros points rouges. Du noir, noir sur noir. Non, mais c'était pas juste noir, regarde. Ah ça, oui, d'accord. Je pensais que c'était juste un motif. C'est juste un motif, c'était de mort. Bout de bière. Quoi? Ah putain. C'est ma destinée. Je sais pas. Ah, c'est ta destinée. Quoi? Attends, oh, ça va, c'est... C'est... À part les accents, c'est pas horriblement raciste. Ils sont trop random, c'est il dit des mots vraiment... Mais pourquoi? Non, mais... Oh non. Mais... Oh non. T'as juste foncé dedans, quoi, tu... Oh. Bon, cette partie-là, elle compte pas. C'est quoi, je vais être sympa. Cette partie-là, elle compte pas. Tu m'étonnes qu'elle compte pas. Bon, après, on essaye les Français, je sais pas qui... J'espère qu'ils se foutent les autant Américains. De la gueule des Français que des autres. Ouais, les Ricains, ouais. Ouais, on fait Français-Ricains après. Et... Même si on n'a pas eu beaucoup finalement des Allemands. Bon, c'est les guignols de l'info, je suppose que les Français vont aussi en prendre pour leur grade. Si on l'a gardé, va monter. Quoi? C'est juste les accents qui sont vraiment racistes. Mauvais choix. Les blagues ne sont pas pacifiste. Ah, il est pacifiste. Mais les blagues sont surtout random, je comprends pas trop. Bon, attends. Je suis pas trop sûr non plus, hein, des blagues. Non mais, fais pas de mal, c'est genre Hiro ou Sushi. C'est quoi? Fais pas de mal. Parce que je vais en faire moi de ton Hiro et Sushi. L1 pour lui viser dessus. Comme ça tu veux, t'es sûr que... Ah ouais, ok. On m'oblige. Tu vois, c'est pas drôle. On m'oblige. Mais si, celle-là c'est drôle. Très drôle. Ah si, ça va, je ne fais que suivre les ordres, c'est ok. Comme des blagues allemandes. Ah merde, ça n'a pas placé du tout, je voulais que ça aille. Bah ça va être bon, je pense. Hein. Ouais, mais je vais t'envoyer dans les mines. Ah oui, d'accord. Hiro, il va pas bien. Non, Hiro, il est pas J'attends enfant. Toujours les formulaires. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous des personnalités parce que lui, il arrête pas de parler de formulaires. Oui, c'est vrai, oui. L'autre, c'est pacifiste qui dit « on m'oblige quand il doit tuer quelqu'un ». Ah tu oui, vois, d'accord, c'est genre, ils ont carrément des... C'est moi par rapport à leur... Ouais, ok, ouais. Attends, je vais pas lâcher un enflamme. Pistolet. Le pistolet. Le hop. Walter. Hop. Allez, adieu, j'ai jamais su ton nom. Alors fais gaffe, parce qu'à cause des animations aussi, parfois, oui. Tu peux te gourer. Enchanté, ouais. Je vais vous tuer. Moi, j'aime bien. La retraite, jamais. Oh, la vache. Je monte le sang un petit peu. Je suis plus le dirigeable. C'est pour la caméra cachée. Alors, je crois que le dirigeable a droppé une caisse. Hein, je vois ça. J'y vais lentement. Pourquoi il marche comme ça? Parce qu'il est blessé. Il boite. Il boite. Opération spéciale. C'est quoi opération spéciale? Ah, on va savoir ça dans pas longtemps. Hein. Vas-y. Calme-toi. Adieu Mifu. Ça va être une bombe. J'avais complètement oublié ce truc là. Attends quoi? Non. Ça chiale comme une fiotte et ça se dit soldat. Minable. Bouboulois, y'a 14 billes au plomb. Oh mon dieu, non. Ah, la mort est une possibilité. Y'a 14 billes au plomb, c'est horrible. Une pauvre bite, t'as eu de la chance. Vous aimez la douleur, non? Ouf, pratiquement dans les mines, mais de toute façon, est-ce que je suis pas déjà mort? Je me suis mis dans un beau lisier. Victoire pour Vendor. Et il m'en restait. Uchi et Hito. Est-ce que tu veux les Français ou est-ce que tu veux les Américains? Je pense que je vais prendre les Américains et je te laisse les Français. Ok, alors attends, on a quoi comme nom? Franck, Jean-Marie, Yves. Et Ahmed. Yves Lecoq? Ah oui, tout à fait. Ce qu'il y a ta mère? Oh. Évidemment que Ahmed, c'est une Kaira. Mais oh, putain. Non. Ah, regarde, tu as glissé. Ah merde. Ah voilà, on regarde bien en fait, ouais, à droite, toi, tu as la jauge de hauteur à laquelle tu vises. Ouais. De toute façon, le bazooka, il faut que tu lances en cloche, quoi. Là, ah tu vas mourir ta mère. Alors oui, beaucoup trop, ok.
Alors. C'est horrible. Ah c'est incroyable. C'est les guignols, c'est oui. Les guignols ricains quoi. C'est Stallone. Mais c'est, oui, ouais, c'est tous les Américains. Façon, mais... Je crois que tous les Américains c'est Stallone dans si je me souviens bien dans les guignols. Oui c'est exactement. Ah trop bien. Ah je suis assez heureux parce que j'y jouais en anglais à l'époque hein, donc. Oui, moi j'ai la version en anglais sur ma Ah d'accord. Moi j'avais la version j'ai française. J'ai déformé dans le doigt. Bah, Cookshay, la valise RTL. Oh là là, la valise RTL. Oh là là, là par les vieilles références, faut les comprendre. Ah merde, vache. T'aimes bien glisser toi. Hein. Ouais. On a non mais ça c'est un pote, ça c'est un pote ça. Ah, parce que c'est vrai qu'on a pris bleu et bleu donc. Mais non mais c'est parce qu'on est on est alliés. Hein. Moi je te tire pas dessus, tu me tires pas dessus. Non, bah pas ça. Pas ça pour le coup. Adieu, ah non, je suis français. Adieu. Michel, à tueur né, comme d'un film là. Oh là. Tu joues, c'est un chemin. C'est un gaz d'une. Oh non. Oh, ça fait mal ça en direct. J'adore dépasser. Ok. Ils ont tous ces personnalités, c'est quand même impressionnant quoi. Oui, après, oui, on aime l'humour ou pas, c'est assez vieillot, mais. Une seconde, je travaille. Alors lui c'est clairement Bigard. C'est Bigard. Oh, putain. C'est Bigard. C'est pas un GI en face, hein, t'as pas besoin de le frapper. C'est trop un GI, c'est Bill. Alors on a quoi? Oh. Ah fous le couteau dans l'eau. Non mais ça fait rien à l'eau. Caché. Ah ben non, ça fait beaucoup. Si tu fous une sniper. J'aime bien le poison, moi je sais pas comment ça fonctionne par contre. Alors le poison c'est une grenade que tu lances et ça empoisonne sur une ligne. Ouais. Fais gaffe à la hauteur encore une fois parce que là tu risques de lancer au-dessus de moi. Alors la hauteur attends, et, R2 pour la descente. Ah ok. Bouge. Alors là par contre c'est peut-être un peu bas. Mais là peut-être plus haut quand même. Ah ça va être bon, sinon j'ai plus le temps. Tiens, c'est cadeau. Tu vas tellement t'en... Oh non. Qu'est-ce que ça. Pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû me en bouger. Je t'avais dit de pas le faire aussi bas. Et le port d'armes. Vive Dieu! Et le port d'armes! J'espère qu'il aime bien la vie, Franck, parce qu'il la perd. Poussière tu étais, poussière tu retourneras! Ah, mais si, l'eau ça tue! Non, l'eau ça enlève de la vie, mais je pourrais tuer dans tous les cas. Ah, d'accord. Le courage, c'est de dire gruik. C'est supposé être qui ça? Il me dit quelque chose en plus, mais. Il m'en bise, hein. Il a un côté un peu Edouard Baird celui-là. Ouais, je suppose, mais je crois que ce soit Edouard Baird. Non, je pense pas non plus. Ah oui, alors là tu vises bien dans l'eau et Bill il fait pouf. Mais là, c'est pas sûr qu'il aille dans l'eau. Peut-être pas, il va peut-être aller dans une autre direction. Ah merde, je suis touché. Si. Il est dans l'eau. Oh, ça fait mal. Ça meurt, Bill, c'est fini. Non, mais il va bien là. Ah bon ? Ok, le Texas va vous en fouter. Là, je pense que en vrai, le mobile. Vous connaissez le Texas. Ah là là. Non, c'est bon. Mais pourquoi faire ta mère. Non, mais pourquoi. Et Bill. Rien fait. Pas d'ailleurs. Et ça, c'est pas vrai. Je verrai pas les moissons. Si je touche là, c'est champion. Ah oui. Je vais me faire une robe avec ta peau. Ah, c'est le beau jeu quand même. Là, fallait viser. Moi? Mais qui est moi? Qui lui, c'est le philosophe. Yves, c'est le philosophe. Mais pas Yves. Seigneur, je t'envoie du monde. Ah, c'est un champion lui. Lâche-moi ta mère. Oh mais lui à chaque. Tu sais quoi, lui je vais le garder en vie juste pour qu'il continue de faire sa gueule. Oh non. On va y aller simple parce que sinon moi j'y arrive pas. Me pleure ta mère.
C'est littéralement toutes ses répliques. Tu pourras en fait le ta mère c'est sa ponctuation. Oui. Ah, Stallone. Putain, j'adore ce boulot. Oh là là. Une seconde, j'attends. J'ai menti. J'avais pas vu que c'était lui. Non, mais pas lui. Hein. Comme ça, c'est un de tes potes. Fais gaffe. C'est pour combien de personnes? Je crois qu'il est mouru. Quelqu'un aurait-il une Bible? Je le fais pour mon colonel. Vous fermerez pour moi? Pied de porc. C'est la pichenette, je suis pas sûr que ça tue. Ah si, je crois que ça fait 5 de dégâts. Écoute, je veux tester des choses. Hein. Moi, je suis là pour tester. Vas-y. Boum. Qui tue? Là, c'est bon, ça fait 15, ça va. Je suis démembré. T'es vraiment un petit malin, toi, hein? Continue, couille de loup! Le gars, c'est comme le vélo. Quelle belle fin. Non, il est vivant! Il va bien. Les bleus ciels veulent être les maîtres du monde. Je serai vous, je me bougerai. Sans deck, ça fait mal. Attends, on va pas prendre. Alors, là, l'honneur dit lance-grenade ou grenade, mais c'est chaud. Ah, c'est trop chaud ça. Ah merde, je boite par contre le temps que je remonte là-haut. Cette mission, on a l'impression que c'est Mass Effect. Non 20 secondes. Tu pourras pas t'enfuir, mais tu pourras au moins la poser. Oh, va-t'en, toboggan. Allez, ciao les naves. C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Incroyable fin, incroyable. Bon, Crombie. Selon toi, Ox of War, les cochons de guerre, c'est selon. Est l'un des jeux, si ce n'est le meilleur jeu multi de la PS1. On va dire, dans ce qui est juste avoir du plaisir entre amis, oui. Ouais. Et ben j'ai un autre jeu à te proposer, un autre jeu qui, tout comme Ox of War, n'est pas du tout connu, encore beaucoup moins, je pense, que j'ai jamais eu personnellement, je l'avais en démo, et j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette démo, et ce jeu... C'est Team Buddies. J'ai cru que tu allais dire Wanda Magadon. Oh, ça a l'air tout mignon. On dirait que c'est des Lego. Ben, on dirait un peu des bonhommes d'Amangas avant l'heure. En fait, tout venait. On vient de découvrir. Alors, c'est pas du tour à tour, contrairement à Worms et les cochons. On va le foutre dans la console. Ok. C'est-à-dire que le jeu, il marche. Ou pas. T'entends la même chose que moi. Ok. C'est chaud. Ah, ok. C'était Destruction Derby, non? Des gros jeux, quand même. On s'y arrête. Voilà, j'en reviens pas que ce jeu soit pas connu du tout. Tu vas voir, le concept est sympa. Il y a un sentiment un peu bullfrog à la cinématique. Tu dis ça à chaque jeu. Non, mais là, tu vas pas me dire que c'est pas vrai. Tu vas pas me dire que là, tu verrais pas un tel parc qui apparaît derrière. C'est un petit peu PS1, cartoon... Peut-être. Plus que... Je veux dire, je trouve que celui-là plus que les autres. Pareil, c'est très humour un peu... PS1, ouais. Humour PS1, ouais.
Enfin, la vie, c'est plus simple à l'époque. Hein. Regarde, le mec, il a fait genre 25 haricots de Among Us qui danse. Ouais. Et ce jeu, je trouve qu'il a beaucoup d'éléments en plus qu'on retrouvera dans des jeux plus tard, notamment du crafting, alors que ça n'existait pas vraiment trop à l'époque. Et en fait, c'est un jeu de craft, c'est un jeu où tu dois détruire la tour adverse un peu façon MOBA et tout. Des trucs qui étaient très précurseurs. 2000. Oh, c'est dans le futur. Multijoueur. Joueur 1. Ah, voilà, c'est bon. Joueur 2. Joueur 1, ok, je suis joueur 1. Alors il y avait. Ok, ça c'est les roses, ça c'est les purple, déjà c'est marrant. Ah oui, oui, ok, c'est des photos de photomaton. C'est des photos de photomaton, je vais prendre les purple. Bon bah les rouges. Hein. Donc le principe, regarde, tu prends une caisse, tu l'amènes à ta table de craft. Et tu la casses avec carré. Et j'ai un gun. Bataille. Donc regarde, en fait, plus tu mets de cubes, plus ça donne des combinaisons différentes. Alors après, faut les connaître. Par exemple, là, t'as un bazooka si tu casses le truc. Mais attends, tu peux avoir bien mieux que ça. Non, mais tire pas dessus. Tu peux avoir bien mieux qu'un bazooka. Ce que tu peux avoir, c'est, si je me souviens bien, c'est les deux empilés comme ça. Attends, c'est les empilés sur le dessus? Ouais. Et justement, et là. Ah, mais faut que tu fasses toi. Casse. T'as un buddy. Mmh. Alors, pas les roses parce que je suis trop proche au niveau couleur. Tiens, bah, orange et. Ouais, orange et bleu, allez. Continuez. On va mettre l'autre map. Et c'est parti. J'ai l'impression qu'il y en a déjà qui sont un peu chauds et qui font des guns. Moi, j'ai un buddy. Vraiment des. Oh! Mais, hein? Alors, les voix sont pas aussi bien que celles de God of War. Vraiment des bâtards. J'ai pas souvenir que les personnages parlaient comme ça. Bravo, j'ai bien. La démo était peut-être uniquement en anglais, donc c'était différent. Il y a pas ça, je peux voler les carrés des autres, sauf si c'est des. Ah, j'ai mouru. Ah, mort. Ah, c'est con. Ouais, t'as gagné. Ah non, il reste un orange. Ok, j'ai un plan. Qui fait Omega sa vie, l'orange. Là, il. Ouais, je vois ça, il a un truc bleu. Ouais, là, il faut que je le tue, hein. Ok, je vais le tuer. Et je vais le tuer avec style. Et il vient de se choper un truc, j'ai l'impression que c'est genre une armure ou des grenades. C'est des grenades, je crois. Plus de musique. Ok. Ok. Ah, ça me dit quelque chose, l'image du body vampire. Allez. Et là, je pense qu'il ne veut plus construire. Voilà. Il a gagné. Non. Si. Mais non, j'ai détruit son chat. Ah, il a. Bien vu, bien vu. Non. La totale, un beau bordel quand même. Pourquoi ma casquette est par terre? C'est vachement original pour l'époque et. Oh là là. Même aujourd'hui, t'as pas de jeu comme ça. Ouais, et c'est ça, ouais, y'a pas trop de ce concept là, pas. Bon, par contre, l'univers, enfin, je comprends rien quoi, les Hollandais, quoi, pourquoi il y aurait des Hollandais dans un petit jeu avec des petits bonhommes comme ça? J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un truc à la Hogs of War en fait, où t'as des nations, mais qui marchent pas vraiment. Non, ça marche pas trop. Eh, y'en a un. Niveau humour, c'est assez catastrophique. Assez catastrophique, oui. Et surtout, y a pas besoin de ça en fait, les petits bonhommes, je me disais vraiment pas qui parlait. Tu les vois juste pas parler. Eh, c'est toi qui a pourri mon. Et les gars, on va se faire! Ah bah oui! Bah t'es un bazooka! Trop bien!
perte de temps combattre vieille femme. J'ai perte de temps combattre vieille femme. En plus, il y a trois répliques qui se répètent en boucle. Qu'est-ce qui détermine les nations? Ouais, parce qu'en plus, contrairement à Xopor, c'est pas juste clairement dit, tu vois, Xopor. Genre là, on est clairement dans un univers cartoonesque avec des petits bonhommes à la Among Us, quoi. Y'a rien, rien qui fait penser à. On est des haricots, quoi. Genre, c'est... à l'arrière, il ferait les petits les petits haricots là, il les ferait en bleu, blanc, rouge, tout comme ça, à la guerre, on comprend. Qui c'est qui me pique, moi? Mais attends, mais j'ai cru entendre un dire qu'on va niquer ta femme. Mais je crois avoir entendu ça aussi, j'étais sur le point de dire, mais en plus c'est vulgaire ou... Pourquoi ces petits bonhommes adorables? Le pire c'est que je suis à peu près sûr qu'il a dit on va niquer, et je crois qu'il a dit ta femme en gros. Il est là le quiproquo. Il est pas dans l'acte, il est dans la personne. Et j'ai fini. Ah oui, d'accord. Qui sont supposés être les japonais? Moi, je pense que je crois qu'ils sont un peu tous censés être depuis une nationalité en même temps. Il n'y a pas trop de... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'humour? Le principe de jeu, c'est si on est raciste avec tout le monde, on est raciste avec personne. Quoi. Ouais, mais à la limite, The Four était comme ça, mais ça marchait mieux. Il va encore t'éclater le cul. Non, c'est pas, je vais les tuer, je vais pas m'amuser avec mais là, il vient clairement de dire, vous êtes vraiment des bâtards, les gars. Mais ouais, pourquoi ce jeu tout mignon? C'est moi, j'y jouais quand j'étais petit et tout, on l'a démarré, mais... Dans mon souvenir, c'est, tu vois, il est resté ce petit jeu très très cartoon, très très adorable. Pourquoi tu lances et là, t'as bâtard, des trucs comme ça, ouais, qu'est-ce qu'il se passe? Et parfois, tu sais, il parle des vikings, donc ça va, mais... Ouais, des vikings, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il... J'en ai marre de ce téléporteur, hein. Je me prends tout le temps parce que je ne vois rien. Tu veux vraiment prendre dingue? Peut-être que parfois, il ne faut pas rejouer à ces jeux de l'enfance. Non, le gameplay en plus reste bon. Je suis jamais allé en Italie, il y a trop d'Italiens. Je suis jamais allé en Italie, quel rapport? Il y a trop d'Italiens. Pourquoi ce jeu essaye à tout prix d'être raciste? En fait, il essaie d'être drôle, c'est ça le problème. Il fait des blagues. Tu vois, c'est des blagues. Mais pourquoi c'est des blagues forcément liées avec des... Ta mère est pire. Il vient de dire ta mère est pire qu'un ton. Et je suis mort, mais en même temps là je suis trop occupé à écouter qu'essayer de jouer. Ah non, il y a encore un restant vert. Non, il reste plus de vert. Ce qui est triste, c'est que Hogs of War, qu'on savait raciste, était oui. Presque ok. Oui, alors bon, que c'était. On pensait juste mignon, était en fait. Oui, clairement mais c'est pire. Ça, parce que là t'as l'impression que ça va. Enfin, je m'en souviens, c'était vraiment juste un jeu mignon quoi. C'était, tu vois, un manga. Imagine, pas un manga, imagine Fall Guys. Quand tu les pousses. Et ça le jaune, des trucs comme ça. Pourquoi? Après, je suppose que tu peux aller dans les options et jarter les voix, j'imagine. C'est ce qui peut du coup le jeu. À part ça, le jeu, qu'est-ce que t'en penses? Il est sympathique. Bon, t'y arrives pas, mais. Bah, t'es mort en même temps que moi, connard. Ouais, mais j'ai fait exprès. J'étais pichonné, ils m'ont donc déconcentré. Ils m'ont donc déconcentré, c'est pour ça. Mais non, le jeu est sympa, mais c'est pas ma cam, quoi. C'est pas The Four. Non, c'est pas The Four, c'est vrai qu'il a pas pris une ride, quoi. Et ça, c'est bien. Incroyable, Worms 1, je pourrais jouer toute la journée. Ouais, à la seule map. Avec les équipes. Bon, bah. Bon, ouais, allez, allons lire ce paquet de Cheetos. Hein, ouais. Ok, alors. Y'a quoi là-dedans? J'ai découvert un easter egg.